Carbone, l'effet carbone est magnifique. Emplacement 18650. Le rail avec le système pour monter. Hop. Sur le côté de lamelle, copper pour le positif et le négatif. Atomiseur open. Donc quelques petits faux contacts au niveau des lamelles sur le côté. Et bon, une fois qu'on a réussi à les resserrer et qu'elles font bien contact toutes les deux, aucun souci, ça fonctionne. Moi sur l'origine MK2, je vape avec un seul trou ouvert quasiment au plus gros. Et donc là, vu qu'on est à l'intérieur de la box, j'ouvre les deux trous des rolls. Même en simple coil, je mets les deux trous des rolls pour pouvoir avoir un peu plus d'air et avoir une vape qui correspond à ce que j'ai quand, à ce que j'aime quand l'ato est à l'extérieur. À part ce petit souci de contact, franchement la box est magnifique, la finition est au top, aluminium anodisé, ça bougera pas, les boutons sont super, bouton CNK et un gros bouton pour le fire. Le carbone est vraiment d'une qualité mais hallucinante, il y a un relief magnifique. Donc voilà, elle est assez imposante, hein. Ça fait une bonne box, magnifique qualité quoi, rien à dire, franchement un très beau clone quoi, à part donc ce petit souci de contact, une fois qu'il est réglé après il n'y a plus de problème. Allez, passez une bonne journée, ciao ciao.